Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour la partie 6, je pense, de Rayman Revolution. Appuyons sur Start, avec un magnifique temps de chargement avec Globox, le plus beau gosse de l'épisode. Voilà, on est déjà rendu à 39%. Pour tout vous dire, ça fait un petit moment que j'ai pu retoucher à Rayman Revolution. Bon, je me souviens qu'il fallait rechercher Clark à la fin. Donc, je me dis, je pense que je vais pas me perdre. Enfin, j'espère. Alors, on va leur parler. On va voir si. Les pirates sont de plus en plus nombreux. Ils sont de plus en plus nombreux. Clark pourrait t'aider. Il t'attend à côté de la caverne. La caverne de crâne. Mais ça me dit quelque chose, mais. D'un côté, je me souviens de l'avoir rencontré au tout début. Au tout début du jeu, là, il a fracassé un ennemi. Je sais pas si vous vous souvenez, dans la première partie. Ah bah tiens, on va upgrader quelques attaques, je sais pas. Course tonneau. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? Parce que là, on a 245 lumes. C'est quand même beaucoup fun. Je sais pas ce que c'est fun. Rebond prix 90. Ah, je vois ce que c'est. Si on tire après, ça fait des rebonds. C'est pas mal. Cadence de tir acheté. Accumulation 1. Ah, ça doit être le point chargé. La charge du point. Alors, je pense qu'on va pouvoir s'acheter la plupart des trucs là. Ah bah même tout. C'est tranquille. Et voilà. Ah et après il y a rebond 2, etc. Ah et c'est sur un ennemi, ça rebondit sur un ennemi. Bon. On va voir si ça rebondit bien mais. Voilà, ça rebondit, c'est fun, voilà. Alors, ça va être plus simple de battre les ennemis comme ça. Contre la colline au menhir. Ah mais je crois que c'est... Attends, est-ce qu'on peut se TP? Non, on peut pas. On peut pas revenir... Maison de la famille de Globox, on s'en fout. Puis magique. C'est là où j'étais, je pense, en fait. Ah non. Ah aussi. Fail. Bon bah on va se barrer d'ici. Parce que là, je comprends plus rien. Ou alors... Je pensais à revenir à un niveau, à un certain niveau, là. Parce que qu'est-ce qu'il y a comme niveau ici? Mercredi. Je voulais pas y aller. Ce fut un fail, encore une fois. Donc oui, ce let's play commence plutôt en automne, puisque c'est pas trop le let's play de l'été. J'aurais voulu faire le let's play de l'été, mais... Pas trop eu le temps. Tant pis. Donc on va pas sauvegarder. Pour tout vous dire, je pense que quand je posterai la première vidéo en ligne... Bon, là, vous aurez déjà regardé, en fait, la première partie. que j'ai pas encore postée. Eh bien, je la posterai... Quand je la posterai, bah, ça sera juste après cette partie, je pense. Pour vous donner une idée, voilà. J'aurais pas fini Rayman Revolution en postant la première partie. Non. Attendez, c'était quoi le truc d'avant hein? Ça me rappelait quelque chose, mais... Ah, c'est tellement labyrinthique. Avec les temps de chargement à n'en plus finir. Parce que là, c'était un TP pour aller ici. Mais ici, on s'en fout, vu qu'on est déjà allé.
Donc si je repars... Ah, c'est là même où j'ai à moitié... ça m'a fait à moitié enragé. C'était des niveaux assez complexes. Et pas mal de plateformes et c'était assez relou. Beaucoup d'ennemis, esquiver pas mal d'attaques. Sur de la lave, c'est super. Ah oui, Clark, il peut défoncer toute une arsenal à lui tout seul. Toute une armée de la canopée, la colline innominée, les collines innominées, pleine de je sais pas quoi. Et le sanctuaire des pierres et de feu. De pierres et de feu. Alors, je pense qu'il vaut mieux revenir là où on était. Ou peut-être pas. Bon, bah, on va aller voir la famille de Globox, hein, j'en sais rien. Ah, voilà, c'est peut-être par là, il y avait un truc. Je vais utiliser l'ascenseur, je crois qu'il y avait un truc avec les crânes. Le nom, ça me dit quelque chose. Les crânes de je sais plus quoi. Le crâne de cristal. Il y a un truc derrière. Non, il y a rien. Ce sont des champignons violets. Décidément, chez Ubisoft, ils aiment les champignons. Voilà, caverne du crâne. Ah, mais je m'y retrouve tout de suite, je suis trop fort. Oui, mais faut faire quoi, là? Bon, je pense qu'il faut aller de l'autre sens, mais... Je vois pas trop comment. Je vois le crâne, il est magnifique. C'est une modélisation incroyable. Mais j'y arrive pas. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qu'il faut faire? Caverne du crâne pourtant. Ah, on peut pas balancer des attaques quand on est en mode vue FPS. Ce qui est dommage. Bon bah on va peut-être revenir là, la baie des baleines. Je sais pas, il était par là notre Clark. Hein. Sanctuaire pierre et de feu. On peut aller en face, mais on est déjà allé, je pense. Donc en fait, j'en sais rien. Que faut-il faire dans ce... Où est Clark? Où est-il paumé? Il s'est paumé dans la baie des baleines ou... le crâne? Il avait bien dit caverne du crâne. Une prune au-dessus là. Faudrait qu'il y ait une prune. Pour pouvoir aller sur la lave. C'est totalement logique. Bon, on va remonter et puis on va voir si c'est réellement caverne de crâne. C'est peut-être un autre truc avec crâne. Hein. Chargement. Alors, je pense que ça va être la vidéo, la partie avec le plus de temps de chargement. Avec le plus de propositions de sauvegarde. Pareil, Globox. Les petits ont trouvé drôle de grotte dans puits. Ils ont trouvé drôle de grotte dans puits. Les petits ont trouvé drôle de grotte dans le puits. Elle dit quoi, sa femme? Clark t'attend dans la caverne du crâne. Oui, il m'attend, mais il est où? C'est comique. Pourtant, c'est facile de le trouver, Clark. Il est énorme. Il fait 3 mètres, le bonhomme. Ok, bon, la petite maison dans la prairie. C'est peut-être plus là-bas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je voulais pas sortir.
Il y a une espèce de périmètre là, de cutscene pour aller dans le puits. Je sais pas comment on appelle ça. Mais non, je voulais entrer finalement, purée. C'est réellement la caverne du crâne. Mais je vois pas du tout comment m'y prendre. Ça se trouve, il y a un chemin juste à gauche ou à droite. Une connerie comme ça. Réfléchissons une minute. Alors, caverne du crâne, c'est par là. Heureusement qu'il y a ces flèches, hein, sinon je serais tout de suite paumé. Bon, le crâne. On tire sur le crâne, je sais pas moi. C'est très utile. Il y a une planche en bois par terre. Et il y a de la lave en 2D. Voilà. C'est super. Un JPEG de la lave. Sanctuaire, pierre et de feu. On voit que dalle. C'est peut-être dans le sanctuaire. Le sanctuaire, pierre et de feu. Oh, c'est quoi ce truc? C'est la baleine. Enfin, je crois. Elle est moche. Et elle a dépopé. Très logique. Donc, je sais pas du tout ce qu'il faut faire. La petite fleur. Ah voilà, j'étais déjà allé là en fait. C'est où il y a la lave en fusion. Ça sert à rien. Maintenant, la caverne du crâne, mais. Je puisse pas. Peut-être là-bas. Oh bah il est là, mais qu'est-ce qu'il fout là? Suis-moi, je vais t'ouvrir un chemin vers le prochain masque. Oh, cette voix. Mais fais attention, il paraît que les pirates préparent une attaque. Ah mais comment savoir? À part tâtonner comme je l'ai fait. Comme un con. C'est pas du tout à la caverne du crâne. Magnifique explosion hein, du robot. C'est un nouvel ennemi ça. Ok, let's go. Ah d'accord, je peux pas avancer. Comment est-ce possible? Je dois tous me les farcir comme ça sans doute. Eh mais attends, c'est Space je sais plus quoi là, Invader là. Avec la lignée d'ennemis comme ça. Faut pas le laisser passer. Référence à Space Invader. J'ai du mal. Space Invader. Ouais, c'est magnifique. Cet accent incroyable. Plume ce rouge. Bon ça, les verts, on les tue en un coup. En tout cas dans cette phase. Ouais bon. C'est sympa. Mais c'est un peu moins fun qu'un Space Invader. Déjà que Space Invader c'est un peu moisi. Faut comprendre, c'est l'un des tout premiers jeux de shoot. Quand même, déjà que de base des jeux de shoot c'est pas terrible. Mais là c'était le tout premier. Voilà. Il y en a trop à l'écran là. La PS2 elle en peut plus. 2 FPS. C'est ça en plus, les rayons qui mettent 3 plombes à arriver. Oh là là. Ce ramage. De base, le jeu, il a 25 images par seconde, donc... C'est déjà pas terrible. Mais là... Bon allez, c'est quand qu'il crève là. C'est un peu long. Hein.
C'est vrai que c'est un peu facile à esquiver quand même, en sautillant comme un petit lapin partout, de droite à gauche. On fait un peu toujours la même chose, hein, j'ai envie de dire. Et c'est quand qu'il crève? Les rouges, ils sont résistants. Hein. Les jaunes aussi. Purée, mais ils arrivent à l'infini. Et Clark, qu'est-ce qu'il fout, lui? Il s'est paumé. Que se passe-t-il? Purée, il n'y a que des rouges. C'est super. Est-ce qu'on peut faire la vue FPS? Ah, on peut pas. Purée. Ouais, moi, je trouve que c'est une phase ratée, quand même. Hein. Ou faut pas que ça soit aussi long. Beau clin d'œil, mais bon. Au bout d'un moment, c'est un peu lourd. Alors, j'espère qu'ils vont plus popper à l'infini, derrière. Là. Ah, j'ai l'impression que c'est terminé, derrière. Il n'y en a plus d'autres qui vont venir. Je pense que là, c'est les derniers. C'est la bonne nouvelle du jour. Voilà, mais faut combien de coups? J'ai plus de pouces. Carré, carré comme un cinglé. Allez, vas-y. Ah, si c'était une manette de GameCube, là, vous entendrez du bruit. Hein. Une manette vraiment pas très silencieuse. Mais avec une meilleure ergonomie, et c'est tout ce qui compte. Parce que bon, avec une DualShock, après environ 30 minutes de jeu, vous avez un peu mal aux mains. Un peu de mal au poignet. Purée. Bon, c'est quand qu'il crève, notre pote là, Johnny là. On a même pas eu le droit à la voix digitalisée pour le yeah. Par contre, ce qui est con, c'est qu'ils ont pas gardé le même yeah de Rayman 1. C'est un yeah un peu enfantin, là. C'est moyen. C'est pas un yeah qui a la classe comme dans Rayman 1. D'ailleurs, je pense que Rayman 1, hein, le let's play, sera bientôt fini. Alors, ça sera peut-être pas mal. Il reste sans doute... Oui, une partie en fait où j'ai à moitié coupé. J'ai fait 10 minutes et j'ai fait une cut save. Parce que j'adore tricher. Ok, le ciel qui a bugué. Eh bien, tu te rapproches du troisième masque. Je vais t'expliquer comment te le trouver. D'abord, entre dans l'usine en désactivant ces deux générateurs. Puis cherche l'entrée du sanctuaire de feu. Le masque est caché à l'intérieur. Il y a un ballon volant qui permet de gagner le premier générateur. Tu l'as vu? Quoi? Comment t'as fait? Moi, je suis myope. J'ai une myopie développée. Je vois pas trop où faut aller. Voilà, magnifique effet de lumière. Ah, c'est le lens flare. T'es une bonne copine. Je trouve qu'elle a une voix vraiment pourrie, pour le coup. Défi saut. Appuyez sur quoi pour entrer? Ok. Ah oui, c'est pour avoir une meilleure barre de vie dans Rayman 2. Mais dans Révolution, je sais pas trop à quoi ça va servir, vu que j'ai pas l'impression qu'on peut augmenter notre barre de vie. Ah. Quoique. Peut-être que si. Mais on voit bien la délimitation de la barre de vie maximale et de ce qui nous reste en vie. Alors que dans Rayman 2, le jeu original,
sur Nintendo 64 ou sur PC, purée, eh bien on pouvait pas voir la délimitation de notre barre de vie. C'était un peu moins bien foutu à ce niveau-là. Mais c'était surtout que je pense que la barre de vie était illimitée. Enfin, elle allait jusqu'au bout de l'écran. Limite. La version DS était pareil aussi. C'est une pâle copie de la version PlayStation, mais qui a les mêmes niveaux que la version N64 et PC. Ça. Et n'oublions pas la Dreamcast, bien sûr. Tu as déjà fait mieux, réessaie plus tard. Quoi? Je vais recommencer quand même. C'est le défi du siècle. Ramasser des lums sur un bloc avec des cages, c'est bien. Y'a personne à sauver, mais on s'en fout. Nous, on veut s'amuser avant de sauver le monde. Vite. Ah, j'ai cru qu'elle... J'ai cru que pour les secondes, il y avait marqué 15... Enfin, 25, 15... Et là, 0 d'un coup. Donc, je me disais, what? Mais en fait, c'est un S. C'est un S, ce truc. On dirait un 5. On est que 20 secondes en gros. Pour ça, au début, je me demandais, mais c'est quoi leur seconde? Commence à 200? 205? Ah voilà! Tu viens de battre ton record! Tu as tout d'un héros pour t'aider! Hein? Tu as tout d'un héros pour t'aider? Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Quitter. Tu as tout d'un héros pour t'aider. Ou t'es un héros, t'es fort, voilà. Vaut mieux dire ça comme ça. Alors je pense pas que je vais faire une partie bien longue là. J'ai pas trop le temps. Donc je sais pas, on va peut-être s'arrêter dans 10 minutes. Oui, c'est sûr, ça change d'une partie de 1 heure ou 50 minutes. défi saut. Ah, défi siège russe. Bravo Rayman. Siège russe. Bon. On va voir ce que c'est. Temps de chargement, c'est toute ma vie. Ah oui, je m'en souviens de ça. Sur DS. Attention. Ouais, parce que moi je l'ai fait sur DS de base. Rayman 2. Il y avait un niveau comme ça. Sur une chaise. Et je me suis planté. Et c'était un niveau super difficile. J'espère que là ça va pas être la même chose. Bon, il a pas l'air très difficile, mais je pense que ah oui, on peut décélérer et accélérer. Ah, le sprint. Oula, oula. Ah d'accord, si, en fait il est dur. Il est aussi dur que sur DS. Quoique, il faut tenir combien de temps? J'ai pas fait gaffe. Hein, il ne tient pas, c'est juste purée. Faire le tout le niveau, je pense. Le problème, c'est qu'il n'y a pas marqué où on est rendu. Ah oui, d'accord. Et 1 sur 20, je pense que c'est l'UMS rouge. Il faut récupérer, je crois. On va voir ça. Oui, c'est ça. Si ça se trouve, il va tourner en boucle et on va devoir avoir tous les lumes rouges. Ah purée. C'est stressant ce genre de niveau. Oula. Oula. Mais quoi? Je touchais par quoi là? J'ai pas compris. Bon, dernier essai.
Je vais pas. Je peux vous montrer ce calvaire. Me voir galérer tout le temps. Alors que c'est une mission. Une mission secondaire. On est pas obligé de la faire. Bon, allez, laisse tomber. J'ai encore fail. Bon, la fée clochette va être déçue, mais c'est pas grave. Bon, encore un temps de chargement, hein. On peut admirer la skin magnifique du robot. Qui a une IA incroyable. Mais oui, une intelligence artificielle incontournable. Il y a d'autres défis. Alors c'est des défis sans doute qu'on les déverrouille. Je pense qu'avant il n'y en avait qu'un défi. Et donc en faisant le premier, je déverrouillais le deuxième. Voilà. Bon. Alors, je pense pas que je vais vous montrer ça en vidéo. Je le ferai en voix off comme ça. Pour le fun. Je sais pas si ça va être intéressant pour vous de regarder ça vu que c'est du die and retry. Purée des amis. Bon, là-bas on va à Grotte de l'Écho. Grotte de l'Écho. Ok. Je sais pas s'il y a de l'écho, hein. Faudra mettre le son plus fort pour entendre, mais j'ai un peu la flemme. Purée, mais il est toujours pas mort lui. Ah, il a combien de vie là? Il a une barre de vie incroyable. Et une hitbox un peu buggée. Ou alors c'est parce que sa skin fait que de clignoter. Ah, des rayons rouges. Ah, Murphy, notre pote. Faut savoir faire la danse de la pluie, mais faut qu'il y ait Globox. Ah ok, bah faut revoir Globox quoi. Bon. Bon bah on va revoir Globox et on va se quitter hein. Parce que bon... Là on est bientôt à 30 minutes. Oula. Ok. J'ai failli faire un glitch. Ça allait être incroyable. Un glitch totalement maîtrisé bien sûr. J'ai déjà vu un speedrun de ce jeu. Non, je veux pas revenir ici, purée. Bon, c'est chiant par contre que ça soit des éléments déclencheurs comme ça. Moi j'aurais voulu plutôt que ça soit genre appuie sur croix pour pouvoir parler à la fée. Voilà. On s'en fout. Et de base je crois que c'est défi, enfin même si il n'y avait pas des défis comme ça là dans Rayman 2. Il y avait juste, sur DS en tout cas, il y avait juste... Bah quand on la voyait, c'était juste pour faire une petite course-poursuite. Et à la fin, et bah, elle nous donne plein de lumes et puis elle nous remplit à fond notre barre de vie, quoi. Puis, elle augmente d'ailleurs la barre de vie maximale la première fois, je crois, un truc comme ça. Si je me souviens bien. En fait, c'est surtout pour la barre de vie, quoi. Mini-jeu est assez sympa à faire, mais en fait à chaque fois c'est le même quand on revient, donc c'est un peu naze. Alors, ballon volant, c'est peut-être par là. Je sais plus. Pour tout vous dire, je suis un peu paumé. Purée, ok. Non, c'est pas par là. Mais je pense que ce sera pour plus tard ça, il y a aussi des ballons volants dans Rayman 2 sur DS. Un niveau que là-dessus, mais je pense pas que là on puisse y aller. Si je comprends bien ce Rayman Révolution, je pense pas qu'on puisse y aller. C'est en fait on peut voir un petit bout du niveau qu'on avait dans Rayman 2 quoi.
On peut les voir, bah, c'est un open world, quoi. On peut un peu les voir comme ça, mais après on est vite bloqué. Et pour les faire, bah, faut trouver quelque chose, quoi. Alors que dans Rayman 2 sur DS, bah, c'était juste des niveaux, c'était linéaire. C'était juste des niveaux qu'on débloquait parce qu'on avait simplement fait le niveau précédent. Bon, ce côté un peu open world, c'est sympa. Et d'un côté, on se perd souvent. Donc oui, je sauvegarde. Au cas où. Nous sommes à 4h30 de jeu. C'est quand même beaucoup. Mais on a fait on est déjà quand même à 39%. Et je crois que les ballons, le niveau des ballons, c'est rendu assez loin. Alors là où on voit le magnifique marquage de Mark, de Clark, ce que je raconte. Clark, un personnage robuste. Voilà, on va voir si ça marche, hein, si on peut parler à Globox, s'il veut nous enseigner sa technique ancestrale. Ou si on doit faire quelques défis avant, je sais pas. Ça m'étonnerait, parce que Globox, il est cool. Oui, sauvegardons. J'aime bien sauvegarder tout le temps. Surtout parce que j'hésite à quitter maintenant. Je pense qu'on va bientôt se quitter, bah, juste après que Globox nous enseigne sa technique ancestrale. Je pense que c'est en haut. Et comme par hasard, je parie que Globox il va plus être là. Putain, c'est ça en plus. Loul. Ouais, je vais parler à sa femme. Ouais, bah c'est fait exprès, je pense. Hein. Puis quand Murphy est arrivé, je suis sûr que Globox il a dépopé là. Pour pouvoir se promener avec les enfants. Voilà. C'est super. Mais bon, de toute façon, j'avais vu un autre passage à côté, hein, donc on n'est pas obligé d'aller là où il y avait les rayons rouges. Donc sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures et pour la partie 7, si je dis pas de conneries, avec ce magnifique... Il y a deux soleils, je comprends pas trop le délire, mais c'est pas grave. Puis avec ce magnifique terrain de foot... Voilà, il joue avec une prune. Voilà, on sait pas trop comment il a tiré, hein, le petit Globox. Hein, la prune a volé toute seule. Ah, là, on sent le FIFA 2016. FIFA 16, en action. Oui, à la place des supporters, ils ont fait mieux. Ils ont fait des montagnes en 2D derrière. Ah, ça cartonne, hein. Sur ce, à la revoyure pour de nouvelles aventures et la prochaine partie.